Guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, cette chaîne qui vous apportera toujours de la valeur, cette chaîne qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez qu'ici nous parlons de projets crypto, nous parlons de mindset, nous parlons de développement personnel, nous parlons d'éducation financière. Attention, c'est pas de l'éducation fondamentale, c'est l'éducation financière. Et vous savez très bien, bref, ceux qui savent, environ 93% de la population mondiale n'a pas reçu d'éducation financière car nous avons été éduqués à être des salariés. Par conséquent, sur cette chaîne, vous allez pouvoir recevoir de la valeur ajoutée, vous allez pouvoir être informé, éduqué en temps réel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Également, vous allez comme ça profiter d'un programme d'accompagnement taillé sur mesure, voilà, en fonction de vos besoins. Donc, si vous avez des zones d'ombre où vous voulez en savoir plus au sujet des crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour votre accompagnement. Voilà, ce sont des programmes, des modules taillés sur mesure en fonction de vos besoins. Ce ne sont pas des formations génériques car je suis de ceux qui pensent que nous devons être pratiques, nous devons être factuels. Voilà, donc en fonction de tes besoins, tu nous dis j'ai besoin de ceci, ça, ça, ça. Immédiatement, on lance le processus de création du module. Et une fois ton prix, une fois le paiement effectué, voilà, l'accompagnement commence. C'est vraiment, c'est du pratique, pratico. On n'est pas là pour lire, pour faire de longs discours. On est là vraiment pour passer à l'action. Donc, les gars, si l'un des éléments que je viens de citer tantôt t'intéresse, les gars, n'hésite pas, abonne-toi, partage cette vidéo pour permettre à toute personne intelligente, je dis bien toute personne intelligente et passionnée, parce qu'il faut bien préciser, il faut préciser parce que la crypto-monnaie n'est pas un jeu, ce n'est pas, c'est pas un terrain de foot, tout ça et autre, donc c'est du sérieux, voilà, c'est du sérieux, voilà, donc, et qui s'avise dans ce domaine doit pouvoir avoir des compétences claires et nettes. Par conséquent, la formation est vraiment de mise. L'information également. Comme j'ai toujours dit, ceux qui m'écoutent depuis plusieurs années savent très bien que j'ai toujours cette expression-là. L'information nie à celui qui ne l'a pas. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de demi-mesure. Parce que si j'avais été informé, si j'avais l'information au début du lancement du Bitcoin, je ne serais pas devant vous. Je serais dans des îles Caïmans maintenant, sur des yachts, dans des jets privés, voilà, parce que je serai milliardaire, voilà, parce que, voilà, et j'ai également raté plusieurs projets parce que je n'avais pas l'information, je n'avais pas la formation également. Une fois, je me suis formé, j'ai pris du recul, voilà, j'ai vraiment analysé que je faisais beaucoup d'erreurs et j'ai perdu énormément d'argent parce que je n'étais pas formé à l'époque, je n'avais pas la compétence nécessaire pour m'aventurer dans ce nouveau domaine. Voilà, voilà, vous savez, je tiens encore à rappeler que c'est un nouveau domaine qui est très sensible. Donc, si vous êtes cardiaque, vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir dans des projets crypto. Mais par conséquent, la formation reste vraiment indispensable pour tous, toute personne qui souhaiterait. Toute personne intelligente et passionnée qui souhaiterait s'aventurer doit se former. Donc, je ne cesserai toujours d'insister là-dessus parce que c'est un pan vraiment important. Oui, parce que si vous voulez changer le cours de votre histoire, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, je viens ce matin vous montrer comment, parce que j'ai encore reçu une vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Leader, Baby Doge a lancé un créateur de prix de prédiction, tout ça et autres. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo là-dessus? Leader, est-ce que tu peux nous montrer comment acheter du Baby Doge sur PancakeSwap? Voilà. D'abord, je vais d'abord réaliser une autre vidéo. Comment acheter des Baby Doge sur PancakeSwap directement. Voilà. Pour que toute personne qui souhaite l'acheter directement sans passer par un intermédiaire, puisse l'acheter sans problème. Parce que quand vous passez par un intermédiaire, logiquement, l'intermédiaire doit prendre ses frais. Il a ses frais qu'il doit adosser sur la facture qu'il va vous donner. Donc, supposons vous voulez 10 milliards de Baby Doge. Quand vous allez acheter vos 10 milliards de Baby Doge, il faut tenir compte qu'il y a déjà une certaine quantité qui va aller en brûlure, qui va aller dans l'adresse de gravure. Voilà. Et il va vous vendre au prix du. Il va pas vous vendre au prix du marché. En vous vendant, il va ajouter une certaine marge là-dessus parce qu'il n'est pas là pour faire la messe avec vous. Ça, c'est clair. Et maintenant, si vous ne voulez pas passer par un intermédiaire, voici comment vous allez faire, les gars.
Voici comment vous allez faire si vous ne voulez pas passer par un intermédiaire. Achetez ces baby dolls, soi-même sans passer par X ou par Y. Voilà. À partir de Trust Wallet ou de MetaMask. Voilà. Sur une plateforme, sur les plateformes décentralisées. Parce que vous pouvez aussi l'acheter sur Get.io. Hein. J'ai déjà montré comment on pouvait l'acheter sur Get.io et trader cela là-bas. Voilà. Sur d'autres plateformes telles que Elbank, vous pouvez l'acheter aussi là-bas, le Baby Doge là-bas aussi également. Mais sur les plateformes décentralisées, vous avez un avantage que vous recevez des réflexions. Voilà, les différents détenteurs reçoivent des réflexions. Voilà, c'est ce qui est vraiment important à savoir ici. Donc là, je vais me connecter sur Pancake, sur Trust Wallet, je vais aller directement sur le DApps ici. Je suis sur le DApps. Une fois que je suis sur le DApps, je cherche PancakeSwap, qui est un exchange décentralisé, le plus utilisé même après Uniswap. Voilà, je suis sur PancakeSwap. J'ai mes BNB qui sont là. J'ai bien quantité, une certaine quantité de BNB qui sont là. BNB Smart Chain, vous devez avoir les BNB Smart Chain. Attends, je vais d'abord vous montrer parce qu'il faudra aller étape par étape. Vous devez avoir des BNB Smart Chain ici. Ceci, vous devez avoir les BNB Smart Chain. Vous devez avoir les BNB Smart Chain. Ce que vous voyez ici à l'écran, ça s'appelle des BNB Smart Chain. C'est pour ça que vous devez vous former également pour savoir comment les acheter. Mais hormis de cela, j'ai également réalisé une vidéo comment approvisionner sans passer par le DEX. Parce que à l'époque, j'avais le DEX ici. À l'époque, il y avait le DEX ici. Le DEX a disparu. À l'époque, on avait le DEX ici qui vous permettait de swapper. De swapper par différence ou par pourcentage. Bon, il y a eu une mise à jour, mais ça, je ne vois plus cela. Avant, il y avait celle-ci. Donc, tu pouvais juste venir choisir comme ça BNB et vendre, swapper un certain pourcentage, swapper 75%, swapper 100% même de ton BNB en balancement chain. Bon, ça n'existe plus. Donc, mais quand ça n'existe plus, il y a réalisé une vidéo comment l'acheter. Sur Binance en faisant du P2P et les transférer ici. Donc, si vous avez des endombres, il suffit juste de nous contacter. Voilà, pour suivre une formation peut-être spécifique là-dessus. Voilà, bon, c'est toujours important de mieux connaître avant de s'aventurer. Donc, les gars, vous allez sur le DApps alors. Une fois ayant vos Binance Smart Chain, vous allez sur le DApps. Voilà, bon, vous venez ici. Bon, comme Baby Doge est déjà répertorié dans PancakeSwap, bon, vous tapez juste Baby Doge comme ça, Baby Doge Coin. Vous vous rassurez que c'est vraiment ça parce qu'il y a plusieurs Baby ici, Baby Doge Coin. Baby Doge Coin, parce que dernièrement, il y a un fuyeur qui m'a appelé, qui l'a confondu, il a plutôt acheté un autre Baby et putain, c'était pas le Baby Doge. Voilà, c'est le Baby Doge que je veux acheter. Je connais l'icône de ça. Voilà, une fois qu'elle clique dessus, il y a un son qui apparaît. Maintenant, ce que je veux faire, je vais venir mettre la quantité ici. Je vais mettre la quantité ici. Donc, avant cela, avant d'acheter, je vais d'abord aller regarder le prix. Je vais d'abord aller regarder le prix. Je rentre encore. Je vais d'abord aller regarder le prix du marché. Baby Doge, le prix du marché. Je viens ici, je tape Baby Doge, Baby Doge, coin. Je tape, je regarde le prix du marché. Et je regarde la tendance. Si actuellement c'est au rouge, je vais pas acheter. Mais c'est tout mieux de l'acheter quand le prix est encore bas. Le prix est vraiment bas. Je regarde le marché. En une heure, il a quand même pris de la valeur. Sur une semaine, sur un mois. Bon, voilà la tendance. Vous savez que depuis au moins 3 semaines, le Baby Doge est vraiment en baisse. Hein. Elle a vraiment perdu une certaine valeur. Mais bon. Ça va, on voit très bien ici au niveau du graphe. Ok, ça va. Bon, autre chose aussi, vous pouvez aussi copier une fois le contrat, comme ça, vous copiez le smart contrat. Voilà, vous revenez sur le DApps ici. Sur le DApps ici, vous revenez sur le DApps ici, là. Sur le DApps, PancakeSwap. Voilà. Voilà, il va s'afficher. Voilà. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est PancakeSwap, voilà. Voilà, juste PancakeSwap ici, là je viens là. Voilà, je change, soit je tape Baby Doge, soit je colle le contrat, le smart contrat directement là. Voilà, le contrat est collé, une fois que c'est collé, il va apparaître là. On patiente le temps que la plateforme charge.
patiente, on patiente, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas GTA. Ils sont toujours obligés de passer par X ou Y. Et pourtant, vous-même, vous pouvez le faire. Si vous êtes formé, c'est toujours mieux de pouvoir connaître comment faire. Parce que demain, la personne chez qui vous achetez, s'il n'est pas là et que le prix est bon marché, vous faites comment? C'est pour ça que j'insiste sur la formation. Les gens ne comprennent pas vraiment le bien fondé du pourquoi j'insiste. Parce que moi, je connais. Il y a des suggestions parfois où le prix est vraiment très très intéressant. Il faut vous poser directement et vous chercher la personne qui va vous vendre, vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne vous formez pas aussi? Pourquoi vous ne vous formez pas? Formez-vous. Bon, là, ça bug un peu. Normalement, ça devrait y apparaître. Bon, comme c'est en train de perdre du temps, je vais saisir une fois Baby Dash ici. Normalement, en principe, quand vous collez l'adresse du contrat, il apparaît directement. C'est même plus sûr parce que là, c'est vraiment le contrat. Baby Dash, il est où? Voilà, le voici ici. Voilà. Je veux prendre ici. Je veux prendre combien? J'ai envie de prendre. Le prix est bon ici. Parce que j'ai 28 milliards dans ce compte-ci actuellement. Je veux prendre encore combien de milliards? Si je prends le max ici, là. Si je prends le max là-bas, j'ai combien? J'ai combien de milliards ici? Il faut savoir qu'il y a au moins 2 milliards qui vont être brûlés. Ça fait combien de milliards? 8, ça fait 35 milliards ici. Ça me fait 35 milliards. Voilà le prix du Baby Doge actuellement. Voilà. Et moi, je vais recevoir 33 milliards parce qu'il y a environ 2 milliards qui vont aller dans l'adresse de brûlé. Il y a 2 milliards qui vont aller dans l'adresse de brûlé. Là, je vais changer le slippage là. Il suffit de changer le slippage là. Ah, je vais prendre un. Voilà. Je vais prendre comme ça. Je vais prendre 0,5 le slippage là. Voilà, 0,5 c'est bon. Voilà. Je vais prendre ce slippage à 0,5. Voilà, c'est bon. Ici, là. Je vais recevoir combien de milliards? Ok, c'est bon. Apparemment, le prix est à 0,25 ici. À 0,25, truc, ça me fait commenter. Ok, ça va. Donc, si tout est bon, moi, je vais prendre le max. Environ plus de 50, plus de 50 dollars. Voilà, je prends le max, c'est fini. Moi, il va acheter le Baby Doge. Voilà, je ne suis pas là pour perdre du temps parce que je sais qu'il va effectuer un retrait. Moi, je ne prends pas l'argent ailleurs pour acheter des coins. Hein. Ce sont des plateformes qui me génèrent de l'argent. Je vous ai montré plusieurs projets qui me génèrent de l'argent en automatique. Donc, je ne prends jamais l'argent ailleurs. Ce sont les plateformes qui s'autofinancent. Je vous ai montré des stratégies comment vous positionner. Il y a les plateformes telles que Trontonder, il y a les plateformes telles que Safi International, les plateformes comme ça qui vous génèrent de l'argent en automatique. Voilà. Qui vous génèrent de l'argent en automatique tous les jours. Voilà. Comme ça, il y a plusieurs plateformes. Il y a sans même du BTC, une plateforme décentralisée qui me génère de l'argent en permanence. Voilà. Voilà, on va voir les prix. Alors, ça nous fait environ, donc, les frais ici, j'ai pris 46 dollars. Les frais ici sont évalués à combien de dollars? Les frais ici sont évalués à 1 dollar. Ouais, c'est pas frais. Si je négocie même ces frais-là, je peux négocier ces frais-là. Je peux négocier ces frais-là. Non, je laisse comme ça, je ne négocie pas. Parce que parfois, quand je négocie, après ça. Ça plante et tu peux perdre de l'argent. Donc, je clique sur approuver. Ça va. Donc, je vous ai montré en direct comment payer vos baby dolls. Ça va, si j'ai payé. Je veux recevoir environ 33 milliards de pièces. Voilà. Donc, ça va donner un dialogue pour 2 milliards, pour 2 dollars, à peu près 2 dollars 50. À peu près, vous avez 50 milliards de pièces. Voilà. Voilà. Là, c'est un pending au niveau de la blockchain, la BSCAN. La Binance Smart Chain, voilà, c'est un envoi from. Voici l'adresse de Baby Doge. Voilà, c'est Baby Doge. Entre temps, on va rentrer. Il pense y a passé. On va rentrer là au niveau du Baby Doge. On va cliquer sur Baby Doge ici. Là, il est où? Il est là. On va cliquer sur Baby Doge. On va voir s'il y a passé ou pas. On attend. Voilà, ouais, je viens de recevoir. Je suis maintenant à 82. J'ai maintenant 50. J'avais 28 milliards
J'avais 28 milliards tout à l'heure. Je vais calculer pour voir si j'avais 28 milliards plus 33 milliards. Ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait normalement. Normalement, il y a eu plus de bruit là. Il y a eu plus de bruit que passé. Non, parce que normalement, je devais avoir 61. Parce que j'achetais comme ça. J'achetais. Oui, il y a un gros pourcentage qui est allé dans l'adresse de gravure. Et je vais vous montrer comment aller vérifier cela, voilà, tout à l'heure dans une autre vidéo. Voilà. Donc, parce que suite à la grosse embrouille, à la grosse perturbation que la plateforme de cotation CoinMarketCap a eu hier, voilà, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Certaines personnes pensaient qu'ils étaient un milliardaire, or ce n'était pas ça. Voilà, il y avait le pourcentage était élevé. Le baby doge avait brûlé 1-0, or ce n'était pas. Or, on était toujours à 8-0 après la virgule. Voilà, ça veut dire alors que pour mes 50, si, pour mes 50 milliards, si donc si baby doge brûle 1-0 demain, voilà, vous allez voir que le prix sera vraiment élevé. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit. Retournons de l'autre côté. Bye bye. C'était votre top 2.